sénateur. Sénateur, oui ou non? Je vais poser une question là, oui ou non? Et je connais qu'on son nègre, même si bagay là, leur fond est ouais, ou reconnaître au fond est ouais. Est-ce que Ariel t'enterre Léo pendant le dehors là, le pas à rentrer pour le parler avant? Pour le mandat de négociation. Si tout ancien président, n'importe quel monde qui veut rêver, ma parole avec, parce que c'est devoir, comme monde qui dit la vie leader, comme monde qui dit la vie solution pour aider Haïti, pour me traiter de monde, au moins, je vais apprendre de héros monde. Au moins, peut-être que je vais tout bon conseil pour que je vais comprendre ce que je ne veux pas comprendre. Oui, si Ariel Henry veut, je dis à ma parole avec. Si moi, Jean-Charles, présenté Nation, excuse-lui, à bêtise, il s'est accouché là, est-ce qu'on est prêt à collaborer avec lui? Qui m'a la rue à moi, pas au courant, ici, pas moi qui mette le dehors. Conversation, moi, avec sénateur Moïse Jean-Charles, moi, pas mettre le dehors, il a renoncé 4 sous-nous, ou après que je me dis mal, je me raccroche et je continue à pas enregistrer. Donc, je me raconte comment conversation avec sénateur Moïse Jean-Charles fait arriver dans la rue. Je ne vais jamais faire comme ça, je pense que je vais bon, j'en fais là. Et si sénateur Moïse Jean-Charles t'a pris dans la même jour, il va me buzzer. Je connais lui-même, je connais pas, mais hésiter la prendre et m'a pas la veille. N'importe qui veut parler avec moi, je parle avec elle. C'est de voir pour me faire pour payer. Comment révolution ouais, couleur 7 têtes et plus 2 têtes là? Dans nous-mêmes, nous sommes clairs. Ça ne va pas aucun côté. Regardez pour tout le monde qui est là dans l'eau. C'est même nous, on a pris depuis 50 ans. Même là. Et moi, même bien la décence, ni scrupule, pour essayer de voir l'autre jeune, l'autre bagaille. Et bon, même nous, on a pris depuis combien de temps? Donc mes amis, qui côté baïse. Bon, c'est mon sang plagué de notre tout. Je dis à ces gens à chercher qui vont nous tirer de notre toit. Et mes amis sont deux ordres. Donc, on connaît que ça va arriver aucun côté, que le baïse n'a pas pris ça. On a mobilisé, on a campé, on a défendu ça pour nous défendre. La révolution a marché bien, le baïse retourne. Nous besoin de responsabilité des signaux. Nous besoin pour mobiliser, pour avancer ensemble avec nous. Dernier. C'est le système ça qui a genoux, le système ça qui aux abois. Tu fais ça pas capable soigner encore. Si c'est pas de force répressive, si c'est pas de criminel, le contrôle de la police nationale là, ne consacre pas ici en tant que jeune homme. Moi, apprendre que gagner des registres qui prennent sortir dans toute commune, dans tout département, dans tout quartier, dans toute section communale, pour des volontaires qui voulaient adhérer à la révolution. Qui l'a commencé? Inscription ça y est pour les gens qui voulaient adhérer. Il commence déjà. Les commencé déjà, nous avons dans tout département déjà qui parle dans toute commune, qui parle dans toute section communale, qui parle pas les agnons, qui parle pas les jeunes, qui parle pas les paysans, qui parle pas. Pour nous dire après Haïti, c'est nous-mêmes Haïtiens qui parlons décider pour Haïti. Haïti nous voulons vivre dans le monde. Et c'est nous pour faire. Oui, ça a commencé. Et nous passons par là avec les responsables. Nous disons que dans 90 jours, il y a quelqu'un qui fait tout le pays. Et tout le pays a comprendre qui est la révolution, côté nous venir dire là, côté nous voulons vivre avec Haïti. Si on a besoin d'adhérer, sénateur, qui ça pour le faire? Est-ce qu'on téléphone et dit rapide? Je vais demander pour. Je pense que dès que vous voulez adhérer tout, le fait qu'on ait des émissions parler, ou bagaille, c'est déjà une même révolution. Le fait qu'on cap camper, ou défendre l'idée de révolution, ou dire nous ne voulons pas Haïti, redacte monde, nous voulons Haïti grand monde, c'est déjà ou déjà adhérer à la révolution. Le fait qu'on fait comme le Canada, ou manifester, ou dire non, ou pas appeler bagaille carré comme ça, ou déjà dans la révolution. Mais c'est ça lié. Quand on soit côté, on cap adhérer, on cap participer, on cap courir révolution. Les gens qui sont dans la diaspora, on a dit que c'est pour venir adhérer, venir en quelque forme, mais dans la diaspora, on a aidé, on a parlé dans la radio, on a dit à l'administration Biden, non, si on continue à faire des choses comme ça, Haïti, nous ne pouvons pas voter démocrate. Vote haïtien, supposé conditionné. Il n'y a pas qu'à penser que oui, vote non. Même j'ai un nègre juif, on négocie le vote, même j'ai un nègre musulman, mais négocier le vote à bail gouvernement et américain, problème, il faut haïtien apprendre, négocier votre haïtien, nous ne pouvons pas faire cadeau. Nous allons faire cadeau. Qui ça a fait des faits pour ça? Il faut que nous négocions. Sénateur, sous ta gonde dernier mot pour ta dire à la jeunesse, à mon cap couteau là et qui a le couteau, ce n'est pas la dernière rencontre que nous avons gagné, mais c'est qui ça a tapé, s'il vous plaît? La dire, mettre quoi que nous avons en Haïti, que nous espérons. La bataille pour nous quitter, on pibe en Haïti pour nous. Il y a même qui a souffert au Brésil, Chili,
Saint-Domingue, États-Unis, la France, tout côté, Canada, et puis qui veut rentrer dans le pays, qui a envie de vivre dans le pays, qui a envie de vivre dans le pays, qui a envie de mourir dans le pays, n'a pas assuré une petite paysage. Bon, on va regarder les situations pour nous, on va regarder Haïti et le monde dans le Conseil des Nations Alliées, et on va regarder qui j'ai pris à Chine depuis quelques temps, et on a fait maintenant très bac 150 000 pour nous, dans les airs terribles extrêmes. C'est que c'est sur un niveau ici, peut-être non seulement une évolution dans nos amours, une évolution dans la tête, dans la mentalité, dans le monde haïtien, tout le monde est à Haïti dans sa vie là. Donc, c'est que tellement bonne évolution en Haïti, ça veut dire, et il y a tout le monde qui toujours évolution comme un bagage, et qui pense que l'évolution veut dire prise de pouvoir, ou assauter un pouvoir, ou un coup d'État. Mais nous connaissons que l'évolution elle a des plus loin que ça, elle a des pifs comme ça. Et pour le cap durable, il faut qu'on bien faire, il faut que la population accepte, comprenne ça. Et c'est ça qu'on a fait aujourd'hui là en Haïti. Dans tout discours, on toujours acclamé de l'idéal des Salinien, philosophie des Salinien, émergence des Salinien, malheureusement, qui était assassiné le 17 octobre, qui n'a pas de guettant, instauré le vrai système politique haïtien, et c'est ça qui continue dans Kachouboumbe. Ça, qui lien, qui gagne entre révolution à prôner hein, à idéal de Saline? Bon, et sous le temps de tout le monde parler, nous devons aller voir Haïti bien plus juste et plus égalité pour petit. Et nous avons l'idéal de Saline, c'est une justice sociale qui est base, qui est centre. Programme de Saline, bataille en pour l'adapter. C'était pour tout Haïti, c'était pour vivre un pays avec optical dignité, avec dignité et en toute décence pour Haïti, c'était pour vivre grand monde. Et non seulement le développement pour Haïti, mais pour tout le peuple, tout le monde qui sentit qu'il y a un cas d'un côté, qui sont des esclaves depuis le pilier. Pour Haïti, donc il y a la caillou, il y a toute liberté, toute quiétude. Donc l'idéal de Saline, et bon, comment pour Haïti, quand on sentit les fiers, et de Jean-Jacques Dessalines, garçon ça qui font bagarre dans l'histoire, par contre, il n'y a jamais de possibilité qui peut faire. Il y a des bagarres qui ont fait et dans l'histoire, et par contre, il n'y a pas de galop. Encore, donc c'est ça que Dessalines. Et donc, on pense que c'est pas amour pour lui de ça, et surtout pour l'idéal, il y a pour ça des quoi, justice sociale, et terre pour tout le monde, travail pour tout le monde. Et donc, on va pas épouser l'idéal Dessalines. Sénateur Guy Philippe, nous connaissons que Dessalines n'est pas partagé. Alors, Pétion, Boyer, Christophe, Monsieur Sayo n'est pas partagé même philosophie avec Dessalines. Pour le congrès qui a été fait, Dessalines comme leader, comme initiateur, il était déplacé là le contrer Monsieur. Et sans déplacement, ça, nous n'avons pas fait le congrès de l'Arcaïe qui t'appelle Banou le 1er janvier 1804. Puisque où sont Dessaliniens ont toujours acclamé, et est-ce que ou prêt à bailler adversaire politique ou qui te combattent ou adversaire politique ou tout ou bien côté combattre, je ne jodi an, pour nous sauver ça aurait les révolutions, ça quoi prenez. Jeunesse haïtienne ça, alors qui voit jeunesse là dans la révolution ça et qui va prôner et qui sont attendre en retour? Bon, avant la révolution, nous connaissons la série avant, donc jeunesse a gagné un rôle de toujours. Et dans tout pays, c'est jeune toujours, surtout dans toute révolution, dans les pays que la révolution française, que les communes. Et encore à Paris, que toute bonne évolution, que l'évolution Fidel Castro, bien l'évolution Chavez, c'est toujours des jeunes garçons entre 25 à 35 ans qui prennent contrôle du pays et qui essaient de changer
et coup histoire pays. D'ailleurs, capitaine Traoré, je dis à et que tout le monde a parlé de lui et Burkina Faso, donc c'est des gens qui sont assez jeunes et qui prennent responsabilité devant l'histoire pour payer au peuple. Donc nous souhaitons que jeunesse haïtienne n'a pas compris ça et y a pris responsabilité et venir aider faire révolution parce qu'en fait révolution c'est pour nous lier, c'est pour la postérité, c'est pour une génération qui a venu. Donc nous on a qu'à faire ça et tout. Faut nous changer les politiques là, les fatigués, nous les salbaïs dans les derniers 50 années. Donc je ne faut que je place, il faut que je me prépare, il faut que je nous tout, mettez-nous à point pour rentrer et venir aider l'évolution, donc aider le peuple haïtien. Chaque fois un jeune à l'école, chaque fois la BC apprend, chaque fois la paix font bagaille ou émission, la parler, la BC guider le peuple, c'est parce que la commencer à travailler pour l'évolution. C'est l'entendre Guy Philippe. Comme initiateur mouvement révolution ça haïtienne, qui pi gros difficulté et mouvement révolution rencontré et qui d'après opinion publique là li un petit peu au ralenti, qui difficulté mouvement à confronter? Sénateur, et qui ça peut pas ici doit attendre de révolution ça ou même comme avant-gardiste ou à prôner? Thank you.
Vous parlez au grand point qu'on signale là qui est très important. Vous parlez que grand peur qu'à jeunesse là. Est-ce que c'est pas amateuriste politique yo et vieux fonctionnement de politique aérie qui fait que jeunesse là lui dit lui prenant de l'eau chaude, lui ouais de l'eau frette là, lui peul. Est-ce que c'est pas un manque de maturité politique là Kaili? Est-ce que c'est pas acteur classe politique là qui trace mauvais exemple qui pas stimuler jeunesse là à rejoindre aussi rapide? Il dit l'aptane pour le reste, si son bagage sérieux. Pas oublier, Amos, si tes bagages t'as marché bien, on va pas parler de révolution. Le fait qu'on a parlé de révolution, ça veut dire que la classe politique là, que tout le monde a osé, ceux qui ont échoué, ceux qui ont travaillé pour le pays. Et chaque pays, regardez tout pays de révolution qu'on connaît, je suis sûr, et c'est même, ils ont fait face à même si le bagage ça, politiciens corrompus, politiciens qui vont sur un des pays, politiciens volés. Que ça pour Guinée Faso, que ce soit Venezuela, que ce soit Cuba, que ce soit tout côté qui a parlé de révolution et la France, c'est comme ça les fêtes. Donc c'est même pas qu'à la Haïti. Si jeune français a été capable de dire, ah, on a dit comment bagaille à bien, oui, nous va faire politicien conscience, et il n'y a pas bien la révolution française, pas bien la révolution burkinabèse. Et si Thomas Sankara a été fait, même tout le monde a gardé à plein, et puis jeune a gardé à plein. C'est justement parce que bagaille au pape marché, c'est justement bagaille au pardon qui fait fort jeunesse à lui-même, il prend responsabilité. Sénateur. Il y a une question qui est extrêmement importante. Qui genre révolution ouais domaine ça? Éducation. Nous perdons du valeur nous, parce que en 1960, les hauts parlaient de africanisme, nous te bail contribution nous. C'est nous même qui développer en pile pays en Amérique latine qui fait que yo indépendant. Dans pays africain, le Togo, le Congo, le Bénin, le Sénégal. Comment révolution a compté aborder domaine ça yo et rebaille Haïti, haïtien, valeur te gagne sur plan international? Nous-mêmes, nous-mêmes, nous sommes en 2004, j'ai un travail pour mettre sous pied un programme assez révolutionnaire à l'époque là, et c'est, qui était basé sur la voie endogène du développement. Nous sommes que nous poser question ça et des réponses à question ça. Et bien entendu, il y a changé, il y a évolué, mais je trouve que dans le domaine de l'éducation, de 2004 à aujourd'hui, il n'y a pas de bagaille, il n'y a pas de bagaille, sinon il y a une plus mal. Il va dans la même direction, nous, dans le pays, quand on a une éducation à deux vitesses, quand il y a des qui sautent la ville, des qui ont l'argent, lui-même, les capots, les petits, l'école, les congrégats, les qui préparent pour venir contre le pays à demain, et puis les qui ont l'argent, les petits, qui l'école, Bobèche, Gagotte, quand les professeurs ont fait cours, les OV, même les professeurs qui ont fait cours dans l'école, regardez, je sais, dans l'école. Et population, mais et population allée à nous, on va voir qu'il n'y a pas à l'école, il n'y a pas à faire classe, il y a quitté l'élève pour compte, qui fait qu'il n'y a pas d'achimant élève nous, et dans la section communale, dans la ville de Bourg, l'école presque, ils sont joués liés, et on va voir l'élève, pas de monde qui a un livre dans la main, c'est un grand cahier, il y a une grande note, et les gens qui ont un livre dans la main, il n'y a pas de tableau, pas de banc, et le professeur a lui-même, il va même préparer pour le faire pour moi, mais il a fait pour, par exemple, dans la troisième, secondaire, NS3, et puis nous avons même fait un bon second, peut-être lui, mais le professeur Vito, le professeur Philo, donc il faut que nous ayons ça très au sérieux, et parce que et même on a demandé tout élève nous aujourd'hui à la, et pour nous créer la force, pour nous aider, c'est créole qui manque nous, c'est vrai.
c'est éducation populaire, c'est vrai, mais nous pas jamais fait rien pour nous assurer que tout niveau université fait en créole. Si nous on a demandé pendant l'école classique là, seulement créole, et puis quand vous voulez aller à l'université, il y aurait tout niveau, tout ça vient ouvert, c'est en français, même vous demandez un job, c'est français. Donc nous pensons qu'il faut qu'on penche sur ça. Si c'est créole là que nous décidons vraiment avec le club officiellement, et français avec un deuxième là bout, il faut que nous assurions que l'élève qui étudie en créole là dans l'école classique, lui jeune livre, lui dans le niveau universitaire. Niveau maîtrise, niveau doctorat qui a créole tout, et là, il va aller un job, pour jouer un job et pour vivre avec créole. Donc, on va essayer l'éducation, nous avons plus de pour faire pour lui, il faut que nous convention à niveau, il faut que nous fassions nous manger tout et aller à l'école, et c'est un gros problème, et c'est un gros problème, il faut que nous mettions dans l'éducation. Il ne va pas manger la caille, le professeur pas manger la caille, il arrive dans la classe à tout le monde, il va une cape, il est vraiment vrai, ni dispenser ça pour vous, ça va dispenser, il est pas même pour l'apprendre, ça pour l'apprendre. Et de là que nous tombons dans la bagarre avec Kinsi, qu'on va aller là. Sénateur, bonne question pour vous. Et pendant que vous avez une question, un auditeur qui soutenait, qui soulevait question ça tout. Question grand goût. Qui finance commande, monde qui contrôle les tripots, ventou, qui contrôle les têtes. Qui sa révolution ça? Qui plan qui gagne pour retirer ventou nous dans le Taïwan? Pour la Tibonite, rebaille du riz. Pour un côté dans plein nord, rebaille du riz. Qui sa révolution pral fait tout sur le plan aménagement du territoire? Terre qui a fait manger, c'est la Danio Batikai. Question Taïwan, qui soit fait pour retirer votre nom dans mes Taïwan? Je pense que vous-même, vous avez une grosse partie dans les réponses, puisque encore une fois, vous travaillez ensemble avec nous. Nous avons élaboré et programme pour le jeune développement qui basé sur la volonté de jeune développement. Et malheureusement, depuis après Duvalier, nous avons une agriculture qui est presque pas glissée encore. Nous avons assuré, nous craser les productions nationales, nous, et nous favoriser et de financer tout le monde qui est en question d'importation massive en série de bagages que Haïti a produit. Mais la première bagaille que l'on a fait, c'est Haïti, Haïtien mange du riz au moins, chaque grand Haïtien mange du riz au moins une fois par jour. Même le malade, il dit qu'il mange du riz, Pour montrer que le peuple a vu un peu, il a dit qu'il mange du riz. Or, tout du riz que l'on a mangé, 60-80% du riz, c'est importé. C'est importation. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de dollars américains. Comment on a payé tout ça? Or, nous avons payé un pays, nous avons payé produit assez de durée pour nous tout le peuple manger. C'est ça que fait. Dans la révolution, on nous dit, dans le premier 100 jours, le premier 100 jours, c'est assurer une débit consommée jusqu'à Gonaïve, que tout le monde est là, Tibonite, qui va dans la mer pour lui gagner, pour l'irriguer, tout le reste, tout le bagage, parce que Haïti, il y a assez de terres irrigables. Nous disons, il y a assez de terres irrigables pour nous tout le peuple manger. Si nous bien sûr, si nous parlons de faire irrigation, nous faisons chaque hauteur, chaque hectare de terre, au lieu de faire 3,5 tonnes de riz, nous avons fait 4 jusqu'à 7 tonnes de riz, c'est comme la République Dominicaine qui a fait là. Là, je voulais jeunes nous à l'étudier, pour une technique ça. Si vous voulez aider nous, bon type de aide de qualité ça, former jeunes nous pour nous, pour retourner nous servir, pour faire un hectare de terre, nous faisons manger pour faire. Donc, valez la Tibonite, si nous faisons. Pour le programme ça, si nous irriguons depuis le poisson de l'Hexagone, nous allons garantir que tout du riz que nous besoin, sans que nous avons besoin d'importer du riz des États-Unis ou l'autre pays. Nous avons la vallée des cailles. La vallée des cailles, c'est ça où fait. Tout côté du riz de la fête, là, le caille, on va construire caille sous tout. Bon, mais sous presque tout. Je vous vendrai parler de l'urbanisation, le programme d'urbanisation. Côté pour la faire manger, mais vous assurez, vous faites nous construire là-dedans. Côté de l'eau, de l'eau, vous qui t'a aidé dans la question, vous assurez, vous faites construire gros cailles pour nous pas jamais capables de jouer autosuffisance alimentaire. Mais jusqu'à présent, grâce à Dieu, nous avons assez de terre qui est irrigable pour nous faire céréales et nous avons assez de terre pour nous faire tubercules. Grandissement jusqu'à présent, nous avons tout ça besoin pour lui permettre que Haïti ait une autosuffisance. Et même nous avons une sécurité alimentaire en Haïti, non, tant qu'il moins que 4 ans, nous avons une sécurité alimentaire. Il faut que nous réouvrions chaque des magasins de l'État. Il faut que nous réouvrions. Il faut que les magasins de l'État, il faut que les paysans lui-même, pour prendre goût, pour planter, pour prendre goût, pour faire agriculture. Parce que si on prend des céréales agricoles, non seulement la pour nous,
pour le marché, pour nous apprendre par l'État qui va faire notre programme, quand il nous notre base à Wabel, mais aussi pour notre section communale de la Caïdia, avec des bons gens à l'école, pour petit peu obligé à la ville, avec des bons gens à l'hôpital, et côté possibilité de la de soins de santé, si on a la de soins de santé, et il y a de l'électricité, et au cap vivre. Nous, c'est pas, ici, pas demandé pour vivre, pour vous voir, nous cap vivre modestement, sans rien demander à personne, nous cap faire. Donc, nous pensons que oui, et nous allons aider les questions. Nous allons l'agriculture, elle a assuré chaque année, nous importons moins, dans ça qui est vraiment venu trouver un mirage pour l'économie haïtienne, qui s'est dur, nous sommes de l'autre bagaille, et nous allons faire tout en Haïti. Nous allons importer moins, c'est chaque année, nous importer moins, et tout le monde a fait comme l'importation. Donc, vous dites, et donc, vous l'autre bagaille, ça, il faut que nous assurions, il faut que l'État oblige d'investir 50%, 50%. De terre chaque année, la production risicole nous, la production de terre bagaille nous qui a déporté. Donc, moi, c'est que oui, si nous avons des bagailles, il faut que nous protégions l'agriculture. On va aucun de bagailles dire que nous avons des bagailles l'agriculture. Mais à faire la France, là, nous avons des bagailles chaque jour, tout le monde protège l'agriculture et la production de la terre. Et puis là, nous avons le monde, son village global, nous avons des bagailles à faire, on a ce que tout le monde a fait. Sénateur, vous parlez de révolution. C'est-à-dire que pour nous virer cette terre, c'est un coup, on terre, ou rabourer terre, ou changer le face. Après Jean-Claude Duvalier, parti qui est pays achapé, il a crasé Minotri, il a crasé Ciment d'Haïti, il a crasé Ulri, nous t'es gagné, il a crasé toute industrie nationale. Yo. Qui sacra le fait pour Haïti retrouver sous chimé de production nationale yo? Qui première décision révolution pral grand? Est-ce que son révolution pral négocier à petit Lolit Gotrit? Est-ce que son révolution pral fait pour rebail production nationale la place li? Parce que l'ordre de production nationale, c'est plus gros âme yon pays. Sénateur, yon nan pi gros problème communauté haïtienne ap vive,
malgré la misère, il est en chômage, il est en grand goût atroce, ces dossiers insécurité. Ou bien une expertise en matière de sécurité urbaine, ou formé, ou prend formation pour ça, ou c'est un ancien militaire, alors ou c'est un militaire qui a formation policier. Dossier insécurité pays d'Haïti. Tout le monde qui mal comprend, et nous besoin que pour éclaircir pour l'opinion publique, sénateur Guy Philippe pral bay amnistie. Est-ce que amnistie, c'est dit ou même ou te fait crime rentrer la caillou, ou même ou te touye moun ou pas pour aller en prison, pas pour aller juger? Moi-même, je songe que tu as gagné 4 piliers et où tu es partagé avec moi. D'abord, c'est la vérité, la justice, le pardon, la réconciliation nationale. La vérité, pour qui ça? Qui ça moun nan te fait? Qui ça le volait? Qui moun li touye? Qui moun li kidnappé? Qui est-ce qui détruit le pays? Parce que faut gagner vérité. Même t'as remis à bouchou. Parce que en pile mon abdi, Guy Philippe pral bay bandi ou bien mon armé amnistie. Même t'as remis pour fonti parler de amnistie. Qui s'allie? Comment ou elle? Est-ce que ça capable porter solution? Avant Henri IV en France, problème huguenot avec les droits religieux. Ça veut dire protestant contre catholique. Plus que 37, 40 ans, il a tué l'autre, crasé l'autre, crime après crime. Mais arrive un moment où Henri IV, pour sauver la République, devine une baille sacrée, l'édit de Nantes, qui sont amnistie générale. Il y a des gens qui parlent de tout ça qui est passé avant, jour ça, pour sauver la République. Pour la force qui est de côté de l'église, je dis à la. Je dis à la, en Haïti, nous avons une société qui, depuis 50 ans ou bien plus, qui est basée sur une question d'exploitation sans limite en oligarchie avec l'État, à toute notre couche pays. Tout le monde a souffert. Misère totale, misère terrible, insécurité sociale. Non. C'est ça que nous avons côté de la. Il faut que nous avons responsabilité. Ou bon l'État qui n'a pas fait travail, ou bon jeunesse qui a abandonné, qui pour contre lui, qui n'a aucun modèle devant, si vous avez qui vole dans l'État, vous avez besoin d'entrer dans l'État de tout le monde, vous volez mon bâtiment, et puis vous dites apparaître, c'est normal, c'est la norme, vous même déclarez, vous même prenez un doux, vous avez besoin de faire l'argent, même j'ai tout le mec. Moi, je suis là, ça fait 3 mois, donc je phénomène quand nous avons pensé qu'il était limité, nous pas fou feuille, non. Matissant, nous sommes à eux, mais tout partout dans la province, ils n'ont que armés, ils sont extrêmement armés. On y veut au stade comme nous sommes en étape dirigée, c'est ça qui est important. Ça qui est important pour nous, c'est de limiter la paix publique. Permettre que nous, qui avons retourné dans l'occupation, si nous avons l'école, nous avons l'église, nous avons le travail, la vie qui a retourné, qui a fleuri, est-ce qu'on a fait agriculture, avec marché, avec insécurité? Est-ce qu'on a un bon pays côté transport public pour améliorer, pour pouvoir agir et déplacer de moins à un privé en toute sécurité? Est-ce qu'on appelle avec insécurité ça là, insécurité sociale là, des autres politiques qui font dans le pays, mauvaise gouvernance, mais non, en Haïti que nous là, parce que nous voulons créer à tout le monde. Si je dis à vous, si monsieur ça, mesdames, ça vous donne, c'est nous-mêmes qui l'avons là, même si vous voulez, c'est responsable Haïti, c'est leader nous, c'est élite nous. Qui te ferme les yeux devant toute souffrance, qui te ferme les yeux devant tout abus que l'État avec l'élite a fait, on sait que de jeunes dans le quartier défavorisé, dans tout côté, dans le pays d'Haïti. Amnistie, pas vous dire impunité. Nous ne pas comprendre qui s'agit de l'amnistie. Pour amnistie qui dit, même si elle a été kidnappée, il était volé, il était tué, depuis le pouvoir, tout le monde est libre. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'elle dit. Amnistien, j'en dis là, premièrement, faut dire la vérité. Il faut qu'une commission commette sous pied qui vous tendez, monsieur, mesdames. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Pour qui ça a kidnappé tout le monde? Ça a gagné. Comment faire tout le monde? Comment faire bouler tout le monde dans la machine et pendant que ça avec maman? Mais crime on fait, mais il faut qu'on accepte et admette les salles de fait. C'est ça que les vérité. L'offre de tout le monde, justice servie. Nous prenons condamnation. Nous condamnons selon la loi. Cependant, si nous de l'État, si nous de l'État,
Allô? Nous avons une communication coupée avec le sénateur là, nous avons remonté. Vous pouvez faire des autres armes encore, vous pouvez mettre ça à moi, vous aidez nous jouer une filière, qui m'a dit de bonnes armes, qui m'a dit de financer, pour qui ça a été fait, qui t'a vu, c'est qui est-ce qui t'a encouragé à nous faire, nous t'a dit qu'il y a amnistie. Et la ville amnistie, ils sont dans même bagage là, qui s'appelle des réconciliations. Parce que pendant que nous avons demandé pour nous amnistier, parce que nous avons aidé l'État, mais nous avons pas que des gens qui sont victimes, des gens qui ont été kidnappés, des gens qui perdent des divisions, des gens qui perdent des familles, des gens qui passent avec nous, qui ont violé. Nous savons faut que l'État dédommage. Il faut que nous dédommagions. Il faut que tout le monde conforme à ça qu'a fait là. Pour réconciliation qu'a fait, pour nous mettre Haïti sur la côte de Balea. Eh, amnistien, en plus de l'époque, tu as parlé. Amnistien, bon, il y a même qui volait. Tout corps Petro Caribea. Il y a même qui volait. Tout corps complémentaire là, reconstruction haïtienne. Il y a même qui fait tout vivre voler dans l'État. Il y a même qui privatise Téléco à perte. Qui privatise. Si vous êtes d'Haïti, à perte, vous même qui vont toutes les industries, tout ça nous dégagne dans le pays, qui est capable de nous sortir dans la qui vont, qui créer une oligarchie, ça nous dit là. C'est à partir de 1996 qu'ils ont créé. C'est un bagage de structuration, comme on va faire un bagage structuré, on va faire, et ensemble avec le groupe Aristide, on va faire. C'est dans ça que tout ça nous dégagne dans le pays, qui est capable de la population, qui est capable de nous aider, qui est capable de nous mettre en soirée, et pour nous tirer dans tout le pays là. Nous même qui vont tout ça nous dans le sous-sol, nous. Que depuis 1996, nous signons que nous avons pris 8 jours, nous avons tout ce qui est en train de nous, que nous soyons dans le Twitter ou dans l'autre côté, combien de nous qui allons déjà, combien de grives nous qui allons déjà. Nous n'avons aucun contrôle sur parce que nous sommes blancs, tout le pays est blanc, rentré avec toutes les grives, rentré avec tout le pays, rentré avec le tracteur, la beauté, la beauté, la beauté. Est-ce que nous avons combien nous perdons déjà? Nous même tout amnistie à Bobo. Sénateur. Donc, question. Nous voulons bien comprendre. Pour qui ça nous te signé qui contre ça? Pour qui ça nous débat blanc tweeté? Pour qui ça nous bâtit le blanc qui s'en est dans ce sol? Pour qui ça mine ça? Au lieu d'être fait blanc cadeau, de la bonne en bas en bas. Pour qui ça nous pas fait un contrat normal que tout le monde est ensemble avec blanc? Ensemble avec vos compagnons. Et puis bon Dieu, qui baille 40%, baille 50%. J'en ai fait dans tout le pays. Pour nous capter, déconstruire l'hôpital, créer un emploi. Pour nous faire bagaille, vous préférez apprendre un petit code dans le blanc, dans notre compagnons. Et puis à faire blanc en bas en bas. Tout ce qui est des bagailles et Kenya Capina, c'est pour continuer à voler. Et vol ça va besoin continuer. Nous avons garanti ça, c'est vol là besoin continuer. Sénateur. Amnistie pour tout. Nous t'avons amnistie tout sous mettre l'argent volé. Nous t'avons amnistie tout sous ville, mais tout le monde mettre. A qui est-ce l'international qui nous complot pour voler comme ça? 9 milliards de dollars va passer, pas qu'à disparaître. Sénateur. Oui. Est-ce que tout le monde va permettre de jouer une conciliation que nous avons besoin d'avoir? Sénateur, est-ce que la révolution va continuer même politique, bon voisinage, côté nous tourner trois le mouillé, les États-Unis, et je dis à la grande question là aussi qu'a parlé, nous t'avons qu'on dit nous clair, est-ce que nous avons sorti pour nous quitter trois le mouillé devant papote les États-Unis, pour nous tourner mop devant porte la Russie ou du moins son pays indépendant révolution après tirer jouk Haïti en bas tout jouk l'ITEYE. Moi pense qu'il faut que nous ayons une capacité pour nous négocier avec le pays qui peut voir Haïti sans que nous ne dépendre de nous. Nous allons nous mettre pour nous vivre. Ça a gosse. Nous avons des pays plus ou moins qui sont même les. Naptan sénateur a retenu une communication un petit peu. Écoutez, Naptan n'y remonté. Dernière question nous poser, sénateur. Là, c'est pas qui a des États-Unis. Alors, c'est vous-même qui a des États-Unis. Donc, moi, je pense que Haïti a négocié à tout pays qui veut aider. Tout pays qui en veut. Nous ne sommes pas nous ne chef. Nous ne sommes pas aucun monde. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans la guerre. Nous ne sommes pas armes. Nous ne sommes pas rien. Seul ça qui est notre tête révolution, c'est travail pour que nous vivions. Tant pour nous, c'est bien notre population. C'est notre tête. Nous. Donc, nous ne sommes pas là pour nous appuyer les politiques américaines en Haïti ou les politiques russes en Haïti. Nous sommes là pour nous approfondir les politiques qui ont aidé le peuple à soutenir l'extrême que l'IA. Sénateur. Est-ce que dans la révolution ça, nous espérons Guy Philippe président d'Haïti? Ça va dépendre du peuple là. Si le peuple a vu, de toute façon,
élection, niveau de l'élection, l'équipe a toujours voulu nous un petit peu là, nous pensons que nous allons continuer avec l'idée de révolution. Donc ce peuple-là lui-même qui a décidé, qui a choisi. Donc, nous-mêmes, dans la situation, nous allons pour Haïti, nous avons des limites et nous avons des freins. Nous voyons que dans ce semaine-là, il y a une tentative pour induire une erreur politique pour éliminer physiquement et politiquement. Et est-ce qu'on a expliqué nous et complot ça et comment on fait sauter là-dedans et jusqu'à ce qu'on dénonce le. Question la Russie, question CARICOM. Bon, bien aussi. Si nous t'a dit que m'a sorti côté me sorti. Pour nous défier un système qui vit plus que 220 ans, il a travaillé en Haïti, plus 3 siècles d'esclavage. Si nous avons pensé que l'ennemi va avoir mis en bouche, si nous pensons que l'ennemi a joué avec, si nous pensons que l'ennemi, nous ne va pas pour un changement, pas essayer d'éliminer physiquement n'importe qui géopolitiquement, et bien dans un petit monde, dans naïf, donc moi toujours sous même. Vous avez un capricé de devant ou bien je capte devant, pas le devant, pas le devant. On va compter dans la radio. Oui, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse un décembre, il faut qu'il fasse un bordel comme ça. Non, tout besoin pour venir et pour venir. Bon bagaille, petit bagaille, leader politique capté en Haïti. Clairement, capté, fais violence, crasse, brise, boulpe. On va m'occuper. Mais qui t'aime la radio seul, la bagaille ça. Vous avez combien de monde dans l'international, combien de tanks, combien de chats, combien d'avions qui t'a tombé sous tête moi. De façon intelligente pour l'évolution du peuple, vivre côté pour le vivre là. Et nous, loin, nous faisons un pile bagaille. Nous avons un pile problème. Et je dis à même bagaille, cette tête, tu vas aller au Bagabjel. Parce que le peuple n'a pas peur. Mobilisation a continué. On a campé devant. Est-ce que dans la révolution, qui sa révolution? Ouais, parce que, grande question, faut me poser. Depuis quelque temps, jeunesse haïtienne l'a réduit à un pâté chaudier. Et yon plat spaghetti, et li pa fini étude li, ou bien s'il fini étude li, c'est en volant, en guidon motocyclette, là le prend. Nous perdu JB Damien, nous pas gen Salésien, nous pas gen Sant Pilote. Qui ça, révolution, pense dans la question socio-professionnelle pour jeunesse là? Parlez-nous clair, ben nous, ça ou gen nan diakout, nous sous dossier ça. Zanibam, première question qu'on a dit, jeune garçon ça. Nous avons étudié, qui oblige à aller en volant. Nous avons pas qu'à boire sur ce petit spaghetti. Qui ça vous fait vous-même pour étirer tête de notre groupe là? Qui l'a si son plein? Qui l'a comprendre? Il faut que vous manifestez. Il faut que vous dites clairement, publiquement, que vous n'êtes pas content. Vous avez chuté à la gaillot, vous avez regardé, et ça va l'église, vous avez dit oui, et vous n'êtes pas de ce monde. Et puis vous pensez que son miracle qui a sauvé Haïti? C'est nous tous qui pouvons faire ça pour nous faire. Nous tous des engagements pour nous prendre. Nous tous des sacrifices pour nous faire pour nous sauver Haïti. C'est 220 ans, monsieur, il va venir sauver là avec belle parole, ou des chita à la caille nous, autour de un verre du vin, autour de un bouteille de rhum, et puis il a parlé, il a dit oui, voilà, mais qui est Haïti nous rêver, que Captain Guy Philippe ou dans l'autre monde vient faire miracle, pas fait. C'est nous tous qui nous camper pour nous manifester, pour nous organiser, pour nous avancer. Et nous, loin, gardez bien pour nous, de décembre que nous entrons en Haïti aujourd'hui, si un prix de bagaille va être changé dans le pays, gardez bien pour nous, système non, choqué, système non peur. C'est ça qui est plus criminel, c'est ça qui est plus enragé. Nous peur, nous sommes dans le compte. Nous avons essayé de faire des bagailles comme sans sens. Nous avons une cabatterie avec elle. Et même si on a forcé, on a fait obligé de rentrer dans le compte. Sénateur. Il faut que jeune haïtien ça. Il faut que jeune garçon, jeune femme ça. Prenez responsabilité. Oui, il faut qu'on assure que nous avons une école technique et tout côté province. Que nous avons une famille ou un pays donné. Oui, il faut que nous encadrer. Mais nous même je dis à la bonne nuit là. Il faut que nous déboulons le système volé ça, il faut que nous crasons le système volé ça, et pour nous faire l'évolution de besoin. Il y a besoin d'aide, il y a besoin d'appui, il y a besoin d'engagement. Bon, sénateur, je n'ai aucune question pour vous. Ça, il faut mettre grain dans le dehors. Et dans la révolution, ça, il faut mettre grain dans le dehors pour résoudre, parce que c'est un poison dans le pays. La douane pays d'Haïti n'en met un secteur privé. Qui sa révolution après le faire pour retirer le contrôle douane qui c'est sécurité pays hein? Côté toutes âmes passées, toutes. Oui, faut
nou asyon yo kap gen yon ekol teknik tout kote provin, yo kap itil e fom yo ak pe yo demen. Oui, fok nou akadre yo, men yo menm jodi ala pou nou vi la. Fok nou deboulon le sistem vole sa, fok nou krasi sistem vole sa, e pou nou fel, nou vole jan bezwen yo, nou bezwen ed yo, nou bezwen apri yo, nou bezwen engajman yo. Bon, senator, mwen konken kesyon pou ou, sa fò met gren nan dè yo, e nan revolisyon sa, fò gen gren nan dè yo pou rezoud li, pasè se yon nan poazon nan peyi ya. La douan peyi d'Haïti nan men yon sektè privé, ki sa revolisyon pral fè pou retire kontrol douan ki se sekurite peyi ya, kote tout zam pase, tout a... Et dans la révolution, il faut que les gens soient pour résoudre les parce que c'est un poison dans le pays. La douane pays d'Haïti n'a même un secteur privé. Qui sa révolution pral fait pour retirer contrôle douane qui c'est sécurité pays? Côté toutes âmes passées, toutes.